C'est un feu qui n'est pas maîtrisé, la situation n'est pas favorable. Le feu s'est développé rapidement, évidemment à cause des conditions météo très secs. On avait du vent dans l'après-midi, on avait des fortes chaleurs et donc des conditions défavorables. Le feu s'est propagé rapidement, il menace des secteurs habités, donc on a dû procéder à des évacuations sur la commune de Guillos, plusieurs hameaux et le bourg de Guillos. 250 personnes qui ont été évacuées et qui sont relogées sur des salles des fêtes qui ont été armées par plusieurs associations, la Croix-Rouge notamment. Les interventions se déroulent dans un contexte compliqué. La chaleur, bien sûr, mais aussi les conditions d'accès au massif qui ne sont pas toujours aisées et un feu qui progresse rapidement. Donc on est sur des conditions d'intervention qui sont compliquées pour les pompiers. On a mobilisé le maximum de moyens sur le sinistre.